kenya nanya rona na bidia nando na ba pinya ule na har malera me he hili le rua mulam ayo ayle go ina le ranga hawa ir maleng hawa mere no ni ja ule ran ina lobe mo hanu ne le rua na ni wo mara anga mena re na ule wa mo hemwe ni ga buna anga mena ho ole ya bi yo ho enje na ke ya yi lombo hali yera nda ka ya ile ni ba re nu ero lo ya ma lo be me nya wen ya bi be na wen le ya bi no ai le ranga ha ba me le ra ma anga mama ro yo wa mbo he mara Wawa, amène un peu pas qu'un saon derrière, s'il te plaît. Pas de ligne de pêche. Si. Où va le placard là, dedans? Ah. Oui. Pardon. Je crois qu'il y a un rouleau là, un là.
T'as trouvé? Il y a une bobine là. Où? Là, c'est trop petit. Trop petit? Moi. Non, mais elle est égale. Elle est égale, moi. Qui est là? Ok, ramène. Voilà, c'est bon. Hein? Allô? Ah, Mindé, là. Oh? Mindé? Mindé. Ana numia bay araw ge ago ban wa nga ban min ya esthetician oui oui ka ban ma araw ban ma ka tu mar ma ban ma mo be ma ka ne mo ko te no no ja ni ba ya na ram ba le eh wo ki te wo sa na na ba wa no mo ya na ya sa ni we na do ma wi mero na ya ma njo me wo wi araw na nga Kali mau apa liman buaya junuwa jamu. Kali ni jual nuni jamu nanti. Ane depan buaya nampak lambat ni perundi melorau nuni meringo ni arhamio. Kambar dali nanti. Mago melatangan ini nanti. Elle disait tout à l'heure, pour devenir avec nous. C'est Hollande dans la coutume. Chaque fois que tu touches une tombe, pour refaire une tombe, quand la personne elle meurt, on va voir le temps. Ça, tu le sais déjà, on a toujours fait. Voilà. Un jour, si moi je meurs, ben voilà, ce sera un travail que vous allez faire. Faites les petits-enfants. Il y a toujours une coutume pour cimenter la tombe. Il faut toujours aller voir les tontons, les mêmes qu'on a été le voir pour enterrer la personne. On parle de coutume, nous, on pense que c'est le bonnement qu'on donne. Non, la coutume, c'est un sentiment. Quand tu veux dire quelque chose, tu poses un tamba. Elle exprime ce que tu ressens. C'est un sentiment. Par exemple, tu arrives et puis tu es colère après quelqu'un. Tu viens, tu lui dis, écoute, moi, je ne suis pas contente parce que tu poses le tamba, tu lui dis ce que tu as à lui dire. Une autre fois, si tu viens parce que tu veux lui demander pardon parce que tu as fait quelque chose, tu poses le tamba. Je viens te voir parce que la dernière fois, on s'est disputé, voilà, il y a ci, il y a ça. Je viens te demander pardon. Tu poses. Il exprime un sentiment que tu as. C'est dans notre principe de vie, voilà, on est comme ça. C'est chaque être humain, ben, voilà, surtout nous les Kanaks, on a une façon d'être. Et une fois qu'on a notre façon d'être, qu'on vit comme on devait être, ben, il y a le reste qui vient. On a des devoirs vis-à-vis de celui qui vit avec nous. C'est ça notre bonheur, on trouve dans l'être humain. Ce n'est pas dans les choses qu'on trouve notre bonheur. C'est dans notre façon de vivre, dans l'être humain. Annie. C'est trop serré le tricot là. Gaïne. Pierre. Je n'ai pas allé. T'as froid? T'as froid? Poilé! Ambe! Hey! Il a fait comme le petit lézard, peiné sur le caillou. Dumbo.
Hey. Oui. C'est une prise de position officielle du gouvernement français reconnaissant au seul peuple kanak le droit à l'autodétermination. Cette revendication-là, comme toutes les autres, elles font partie de la revendication du pays kanak par le peuple kanak. Leur but était de faire savoir au gouvernement français que le peuple mélanésien est présent partout en Nouvelle-Calédonie, présence liée directement à la terre. Aujourd'hui, nous sommes parqués comme des troupeaux de chèvres dans les flancs de montagne, et le bétail vit mieux que nous dans les plaines. En effet, aujourd'hui, les indépendantistes ont annoncé leur volonté de jeter les bases d'un état de Kanaki. Un accord a été signé entre le gouvernement et toutes les parties intéressées, indépendantistes et anti-indépendantistes. Dans dix ans, par un nouveau scrutin d'autodétermination, c'est à nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie eux-mêmes qu'il appartiendra de choisir les voies et moyens de leur destin.
un grand référendum. D'un côté, quand tu vois ceux qui prennent le nom, moi, ils me donnent l'impression qu'ils ne veulent pas que nous, on sorte du colonialisme. Ils veulent qu'on reste toujours dedans. Parce que le nom, ça signifie ça. Il faut qu'on reste français parce qu'il faut que la France, elle vous impose ce qu'elle veut. Nous, on veut que vous restez comme ça. Vous restez un peuple colonisé jusqu'à, je ne sais pas. Ils ne veulent pas que nous, on sorte du colonialisme. Nous, on ne veut que ça. Juste sortir du colonialisme. Il ne va pas ressentir parce qu'il n'a pas. C'est ça que je disais. Les jeunes de maintenant, tu leur poses la question, ils n'ont pas vécu ce que nous on a vécu. Et ils ne savent pas c'est quoi les systèmes coloniaux. Ils ne savent pas. Et nous on a vécu, moi je me rappelle avant. À peine on parle le mot langage parce que nous on vient des tribus, on ne sait pas parler français. Et quand on parle langage, ben ça y est. On est puni à midi, on ne mange pas, on va attirer les sensitifs sur le montagne. On sort des tribus pour aller faire des études, tout ça. Là. Mais une fois qu'on sort avec des diplômes, on va chercher du travail. Il n'y a pas de travail pour nous parce qu'on est canaques. C'est une forme d'injustice quelque part, mais les jeunes de maintenant, ils ne comprennent pas parce qu'ils ont tout pour eux. Ils se sentent bien, ils n'ont plus rien à foutre de ce qui se passe. Là. Les jeunes canaques, ils ont ça dans la tête. Comment ils peuvent trouver la paix si les vieux à eux, ils ne sont pas en paix? Calédonie ensemble sur le terrain à la tribu de Poinda. Le comité Paiti Djiboui de FNKS en réunion d'information sur comment aller voter. On va aller voter. Demain c'est lundi, travail. Ah oui, ça. Bon, ça va pas trop changer grand chose. Taxi driver, un taxi man. Taxi driver, un taxi man. Ou don't be down the road. Film, film. Secteur de le vieux, tout ça commence d'en bas jusqu'à là. Tous les garçons qui sont dedans, ils sont tous en bas. C'est tous la même bas. Il n'y a pas un seul de vieux tout qui va pas être dans la bas. Même s'il est fou ou quoi, mais il est toujours dans la bas, il est toujours avec nous. Parce que c'est la tribu. Non, pour les trucs de vieux d'avant, on traîne toujours en bas. Il n'y a que nous qui fait ça ici. Dans les autres tribus, c'est solidarité, je sais pas comment ils disent ça. Allez, changez le truc. Changez quoi? Tu vois? Yo! Je vais pour venir là. Cinq, six. Allez. C'est bon.
Comment? C'est comment, Alain? Il est déchiqueté. Ah ouais, presque. La tribu qui te rappelle là. Tu reviens parce que tu es un garçon d'ici. Moi je fais 6 ans à Nouméa, la tribu te rappelle, tu reviens à la tribu, tu lâches tout ce que tu as vécu à Nouméa, tout ce que tu as fait à Nouméa, mais tu laisses à Nouméa. Ah. Pourquoi toi tu vas partir? Tu vas aller chercher quoi alors que les gens ils désirent ce qu'il y a chez toi? Ça n'a rien de partir. Peu importe si tu dis de partir du pays. C'est moi partir du pays, c'est dans l'âge. Voir du pays, découvrir du pays. Ça oui. Check là ma soeur, toi moi je suis un frère de Kanaki, toi t'es une soeur d'où déjà? Ah, moi je suis une soeur de Salomon, ah, net. Ça c'est, voilà, voir du pays, déjà connaître tout, si t'as déjà fait toutes les communes du pays, t'as vu du pays déjà. Parce que toi t'es un garçon de là, là. Tu connais pas le frère là, il vit comment chez lui, tu connais pas la soeur là, lui comment chez elle. Façon de vivre ici. La semaine, c'est la routine pour ceux qui n'ont pas de travail. Réveil, chasse, pêche, chant. Comme il n'y a pas trop de... pas trop d'emploi aussi. Ça ne sert pas pour les jeunes ici.
Voilà, les femmes elles vont être plus haut, c'est eux qui font bouger la tribu. Nous, on s'est débrouillé un peu pour avoir son pain, on n'a pas de travail. Le conseil, il se retire, nous, on se débrouille. C'est pas qu'il se retire, mais voilà, quand il y a des réunions, ils sont pas là, le chef de clan. Il y a toujours les mamans qui sont là. Comme dernièrement, mercredi, Maggie l'a dit au chef de clan pour faire leur papier pour emmener mercredi. Ben voilà, il n'y avait personne qui est arrivé. Maggie est restée jusqu'au soir, elle est repartie. Tu vois, c'est un truc. Moi, je trouve ça. Je sais pas moi. On veut aller plus loin, mais voilà, c'est bloqué. C'est malheureux parce que ce qui nous arrête, c'est les sous. Pour nous, c'est cher. On n'arrive pas à trouver des grandes sommes. Mais on se débrouille nous-mêmes. Voilà, on va commencer des petites brochettes, des petits bingos. On cotise 100 francs, 200 francs. Non, bien. J'ai trop parlé, mais je... Ça a été dur pour me réintégrer dans la tribu. Heureusement que j'avais ma tante qui était là, un des derniers vieux à nous qui est resté là, qui était sur la terre. Quand elle est partie, elle m'a dit ça. Bon, voilà, les reines du clan, c'est toi qui as. Le fil, c'est toi qui tiens. Ben, le fil, ben voilà, ça veut dire que le clan à nous, il tient un fil, la famille a tient un fil. S'il y a un qui tombe, il traîne tout le monde. Ça veut dire qu'il faut être là, toujours entouré de tout le monde, toujours. Ben, c'est dur, hein, quand il y en a qui n'ont pas la même mentalité dans le clan. Ben, c'est ça mon grand problème, le plus grand souci que j'ai pendant toutes ces années, c'est ça, rassembler le clan. Ben, souvent, je repensais aux paroles de mon père. On appartient à la terre. On appartient à cette terre-là.
parce qu'elle nous inspire ce qu'on doit faire. On vit que pour elle. On ne fait rien d'autre parce qu'on écoute l'esprit qui nous dit d'aller là, de faire ci, de faire ça. On est animé par l'esprit. Et c'est comme ça que les gens ils disent que nous, on est bizarre. Mon bébé. Elle, je pense beaucoup à elle parce qu'elle m'a beaucoup aidé dans mon travail continu. Même le shampoing là, il est où? Aujourd'hui, tous, ce sont les préoccupations du quotidien, comme la taxe sur la grande consommation, qui dominent dans les questions du public. Loul, bon hiver.
N'y crois pas que tu vas te sauver de là. Non. C'est tranquille, reste tranquille. Ah, moi, j'ai pas que ça à faire de parler de débroussage, de chandignan. Ah, moi, je travaille, mais j'ai d'autres choses à penser que ces trucs-là. C'est des trucs qu'on a toujours fait, t'es. Ah oui, oui, qu'est-ce que j'aime pas, ce truc-là, aller rester debout pendant des heures. Ah, écouter un mec qui va faire un discours qui fait ça, là, au lieu d'aller droit au but. Ah là là. C'est moi, voilà, c'est toujours le truc que c'est les vieux qui commandent. C'est moi, après, eux, ils ont façonné leur mentalité par rapport à la coutume, t'es. Ça fait que c'est un peu, voilà, comme la boucle coutume, quoi. C'est bloqué, t'es. C'est comme ça, t'es. Ça. Ça fait que pour eux, ben, c'est comme ça, t'es. C'est l'homme qui commande, c'est pas la femme, t'es. C'est mentalité à la con. L'homme. Toujours l'homme. Tu sais, l'homme, il de... sans la femme, l'homme, il vaut rien. Ça. À l'aise. Dernier coup, quand on avait fait la réunion en bas à Nouméa pour voir avec la famille c'est qui va faire chef, t'es. Non. Tout le monde ne voulait pas que ce soit maman, carrément. Mais parce que c'est une femme, mais... Ils voulaient tous que ce soit moi. Je les ai laissés parler. Une fois qu'ils ont fini de parler, c'est moi, devant moi. Si moi je sais tout ce que je sais, c'est par rapport à la vieille. Ça. Vous êtes toujours en train de parler du colonialisme. Colonialisme. Colonialisme, c'est pas l'homme blanc ou. Ah oui, c'est un état d'esprit. C'est quand tu imposes à l'autre ta façon de marcher, d'être. Thank you.
Ben moi, aujourd'hui, c'est un jour que... Moi, je vais voter oui. Je n'ai pas envie de le dire. Parce que j'ai envie que je sois libre de penser dans mon pays. À force, avec le temps, ça ne nous va pas, tout ce qui se passe. On va où, nous? Moi, j'ai dit nous, je parle de nous, les Kanaks, on va où? Et voilà, aujourd'hui, c'est un grand jour. Ça me fait presque envie de pleurer quand je me rends compte de toute la foulée de ma vie pour arriver là, pour me dire que, ah, ben ça y est, c'est bon, on va finir par se comprendre. Aujourd'hui, pour la première fois, le peuple calédonien s'est exprimé de manière souveraine pour choisir son avenir. Il aurait pu choisir de quitter la France, de quitter la République. Visiblement, il a fait un autre choix. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est passé donc d'une souveraineté qui avait été imposée par l'histoire, par le fait colonial, à une souveraineté démocratiquement choisie par ceux qui ont participé à ce scrutin. Ça change radicalement la donne. Notre rapport à tous. Ah, l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie doit se former à partir de cet événement historique. Moi, je sais pas, le référendum, ça m'a rien fait parce que je savais déjà où. Oui, c'est comme moi j'ai été voté parce que voilà, c'est... Voilà, non, c'est un devoir, c'est un droit, mais moi, je savais déjà que c'est pas pour 2018. 2020, oui, je sais que l'indépendance, c'est 2020. La bonne, ça, attends les résultats, moi, je veux dire la bonne. Que ce soit le oui ou le non qui va l'emporter, ça va rien changer à ta vie. Toi, t'es un chômeur de la tribu, demain, si c'est le oui qui va l'emporter, tu seras toujours un chômeur, mon frère. Ah oui, faut arrêter de se faire des rêves. Mais pour qu'on s'en sorte, ben voilà. Faut que vous, les jeunes, vous sortez ce que vous pensez. Le départ de tout ça, c'est l'argent. C'est une logique que tu vis dedans tous les jours. Parce que tu vis dans un monde où, voilà, tu pars à l'école, c'est pour t'en sortir de ta vie. Tu pars à l'école, c'est pour te trouver un bon travail, c'est pour te trouver une bonne maison, un bon foyer, pour te fonder une famille, pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Mais ça, c'est des besoins que... On t'a dit qu'il faut faire ça pour avoir ça. Moi, je suis au stade où je plante ce que j'ai envie de manger.
Ce que j'ai envie de boire, il y a des cocos. Ce que j'ai envie de boire, il y a de l'eau qui sort des montagnes de chez nous. Je ne ressens pas le besoin d'aller acheter au magasin. Tu viens à la tribu, tu as tout ce qu'il te faut en fait. Le football, c'est ça qui va rassembler les garçons. Une fois que tu as rassemblé les garçons pour le football, parce que c'est du sport, tu peux tout faire après avec les garçons. Les garçons, il y a un champ à faire cette semaine. Là, c'est l'équipe de foot qui marche. Tu fais marcher les garçons. Les garçons, il y a la case à le petit frère là, à faire aujourd'hui. Toute l'équipe, là, c'est en une journée, c'est fini une case. C'est ça la vie en communauté, tu dois faire ça. C'est ça que tu dois... l'entraide envers tout le monde. Et c'est ça le but d'une tribu. Nous, on a tout notre temps. C'est ça que l'Européen, il comprend pas. Il nous fait courir après quelque chose, mais nous, on a tout notre temps. On nous bascule dans un monde où tout tourne vite. Tu ne sais pas ça va où, ça nous emmène où, ce monde rapide. Et celui-là qui est à nous, on est en train de le perdre tout doucement. Nos modes de vie, nous, c'est doucement. On n'a pas besoin d'aller vite. Nous, on ne demande pas grand-chose. Mais qu'on s'entende avec eux. Parce que nous, on sait ce qui est mieux pour nous. Ha ha ha!